numéro 81. Le 81, c'est or et bleu, 12,50% de sang arabe. Alors là, c'est vraiment la limite minimum de son acceptation dans le jugement en blanc, puisque le taux minimum de sang en bleu arabe, c'est 12,5%. Donc elle est à 12,5%, cette fille de Anna Bablou, et Parador, Parderling. Alors Parador a déjà été très bonne, elle a gagné grand plus de 3 ans à Zandre, et elle a donné naissance à Or et Noir, une fille de Zabon Chaud. Gagnant les 8 courses, dont le Grand Prix des Anglos, à Saint-Cloud même. On rappelle que c'est un monteur assez lourd, c'est un moment à la bonne. Et on retrouve la famille des Triunfo. Mais cette fois, le Triunfo pur sang, pas le Triunfo en gloire. Le Triunfo pur sang, qui avait un talent fou, précoce d'ailleurs, enfin, suffisamment précoce pour avoir remporté le Prix Maurice Joux à 4 ans, très bon cheval sur les haies. Alors, c'est des listes, bien sûr, dans le catalogue, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de groupe en obstacle, mais évidemment, là, je ne parle que des groupes 1, gagné Grand Prix d'automne sur les haies, l'écueil. Le grand steeplechase de Paris, sur le steeplechase d'automne bien sûr, et la selle de Dominique Vincent qui portait la cravate de Francis Montauban. C'est aussi la famille de l'excellent cheval de France Urga, sous la férule de Gilles Chénion, a remporté, je crosse n'importe quoi, je comprends bien, le steeple bien sûr, puisqu'il a remporté 868 000 euros de gains, notamment grâce à ses succès dans le prix Renvers de Clermont-Tonnerre et ses nombreuses